Allez, on se fait attaquer. Donc, ils sont encore là, ces enfoirés. Oh, pardon. Ils sont encore là, ces pauvres petits soldats qui crèvent de faim, qui crèvent de... qui n'ont plus de munitions, qui n'ont plus rien. Ils ont plus rien, mais ils sont encore là. Avec un peu de combativité. Très légère combativité, mais bon, on va faire avec, hein. Bon, j'espère que ça va aller parce qu'il y a plein d'avions qui passent. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plein d'avions comme ça qui passent dans le coin à Bruxelles, ici, donc Zaventem, à l'aéroport. Pourquoi est-ce qu'ils ont été refilés des milliards dans cet aéroport alors qu'on a un changement climatique en route et qui fait très mal pour le moment? On l'a vu avec les derniers événements. Donc, on a buté 40 tanks Wangen et 1600 infanteries. Nous n'avons rien perdu, ce qui me convient. Alors, ok, on gagne un paquet de cartes et un point, un paquet de cartes et un point, on a fini l'armure polymère, on a trouvé, excellent ça, les bombes cluster, on a l'infanterie légère mécanisée, donc on peut employer maintenant les armored, les APC. Qu'on a et qui sont excellents hein, chez nous. On a encore trouvé un fait de stratagème. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit? Non. Pour plus tard, ouais. Non. Et non. Ça, 3 points. Ça vous donne, si je ne me trompe, c'est la racine carrée de ces 200 points de recherche bonus. Donc ça donnerait racine carrée de 200, ça fait 15 fois 15, 150 et... Non. Dans les 14, un tout petit 14, quoi, un petit 14. Ça, bof, certainement pas ça en tout cas. Et ceci, bah, bien ou pas bien, le problème c'est que ça prend n'importe quoi, c'est du RNG. Ça peut être superbe, ça peut aller tout en bas de la truc technologique, ça peut aussi aller tout en haut et me découvrir des trucs que j'ai absolument pas besoin. Ah! Par contre, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Un sage, c'est vraiment le bon moment en plus pour le recevoir. C'est le bon moment pour le recevoir. Un garde personnel, c'est bon, ça, ouais. Ça, non. Et on a un junior, un civil, et on a des imports. Voilà, ce coup-ci, je pense qu'on a un très 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 bon truc, des très bonnes cartes. Un spy ring, excellent aussi. Si vous voyez, 6 spies pour 5, hein, l'autre c'est 3 pour 1, 4 pour 3 et 5 pour 6. Ok, ça on en a déjà tellement, ça je sais pas. Ah, par contre, on a une mauvaise nouvelle. L'ordre apocryphe, c'est un culte, donc dans une des deux nouvelles villes qu'on vient de prendre, ou les deux. Et c'est pas bon ça, parce que tous les gens, tous les suivants, hein, tous les cinglés qui suivent cet ordre, ce culte, ils vont buter tous ceux qui sont dans un autre culte. Et quand je dis tous ceux, c'est les militaires, la population et les travailleurs. Donc ce truc, on va les appeler. Bon, ça coûte 12, on va les appeler, on va leur dire. Ben voilà. Et alors on a ici. Par contre, ils sont bien. Hein, ils vous donnent des paladins apocryphes, ça augmente la puissance offensive. Mais bon, hein, pour le coup que ça va nous donner, niet, va te faire voir. Low leader relation. On est descendu à 54 avec Archie Lewis. Qui c'était ça, je ne sais plus. Me dit rien. Et alors Full Trunge est Unrest 59 points. Et c'est tout, mon petit. Et Vinnit, il n'est pas à 59 points de. Tu rigoles, il a 77 de Unrest. Et lui, il est à 59. Pourquoi tu ne me dis pas que celui-là est à Unrest? Bon. Qu'est-ce qu'on a perdu ici? Est-ce qu'on doit racheter des unités? C'est quoi ça?
Donc, toi, t'es quoi? Medical Team, Trinspica, Commander of Second Light, deuxième batterie indépendante. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? On va voir ici ce qu'il y a. Ok, j'ai pigé. J'ai compris. Mon Dieu, mais quelle bêtise j'ai fait le coup passé. Donc, le tour précédent, on a mis tous nos modèles à jour au niveau de la qualité. Et donc, on a dit que les artilleries, on les passait en obsolète, en pensant que j'avais plus du tout d'AG, que je n'avais plus que des AG2. Ben, je suppose, en tout cas. Et donc, ben, quand vous faites ça obsolète, hop, ils retournent tous dans le FURSSHQ, et le coup suivant, hop, ils disparaissent. Ils sont rebalancés à l'intérieur là-bas. Donc, heureusement, on le voit tout de suite. Donc, j'ai 50 AG ici, donc je ne veux pas perdre les 60 XP et les 61 XP qui sont là. Ni également, c'est un petit peu idiot de perdre, mais bon, c'est pas grand. Ah, si, un Medical Team en plus, tu imagines? C'est excellent. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va upgrade, pas upgrader, on ne peut pas upgrader. On ne peut pas upgrader ça. Les infanteries, vous ne pouvez pas upgrader. Non, vous ne pouvez pas upgrader. Vous devez remplacer. Mais donc, on va créer 5. Bon, on a ce qu'il faut, hein. Ouais, on a ce qu'il faut. On va se créer 5 artilleries. Et on pourrait très bien ne pas faire ça. On pourrait très bien dire ok, je ne fais rien. Je remets l'obsolète en on, quoi. Hein. Et à ce moment-là, automatiquement, il serait rentré dedans. Mais je préfère créer 9 AG2. Mais ils n'arriveront que le tour prochain. Ils retourneront dans le bidule le tour prochain. Donc ça c'est fait. Je prends mes pas ceux-là, les 30 AG ici. Et je dis replace en AG2. Voilà mes 30. Boum. Et il me reste les 20 AG ici que je veux transformer avec. Avec n'importe lesquels. Voilà. Je viens ici, je fais replace. Que ce soit. Ah non, attends. Je ne veux surtout pas remplacer par des régulars, bien entendu. Puisque les régulars sont. J'en ai besoin, les régulars, c'est autre chose que les greens. Donc je prends les greens, effectivement, et je dis 20 ici. Boum. Ça veut dire que maintenant j'ai 30 AG. Régular et 20 AG green ici, mais 61 quand même. Toi, monsieur, tu disparais de là. Scrap. Ok. Bon, ben, comme ça, au moins, ça vous montre si jamais vous aviez le cas comme moi. Quand vous faites une petite bêtise, ben voilà, vous pouvez la régler. Donc, elles vont automatiquement remonter dans ben, ici, mais le tour prochain. Ok. Donc on s'est pris des tanks dans le nez. T'as combien de tanks, toi? J'en ai bouffé tout plein et je n'en vois pas ici. Comment ça se fait que on a buté tous les tanks que tu avais? Faut croire. Hein. Pas l'air d'avoir de tanks là-dedans. Mais peut-être. C'est sans doute des miliciens. Sans doute des miliciens. Il doit avoir des miliciens là quelque part. Ouais, sans doute là-dedans. Non, non, ceux-là. Non plus. Je sais pas. Soit c'est pas très 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 grave. Ils vont quand même de toute façon vite décéder. Bon, c'est fait. Donc je vérifie que j'ai plus rien parce que là il faut arrêter de faire les cons quand même. Donc, il nous reste ceci, il nous reste ceci, il nous reste tout ça. Bon, commençons par les rapports, comme d'habitude.
Ça, c'est la mini-map, hein. Ça n'a aucun rapport. Voilà, effectivement. Quel mauvais jeu de mots. Commençons par l'archéologie. Dis-moi que tu m'as trouvé quelque chose, mais je sens que tu vas me dire va te faire voir. Et tu m'as dit va te faire voir. Est-ce que nous avons trouvé. Alors, on a zone gain, full trench combat report. Oui, ça c'est ce que tu viens de m'attaquer. Et on a perdu 296 à 7 divisé par 4, heureusement. Donc quand vous pétez, si vous voyez qu'il y a beaucoup d'assets dans une ville, vous pouvez y aller, généralement, puisque c'est divisé par le nombre d'assets qui se trouvent dedans. Equality Circle. Joan Cole Hill, Jamie Cole Hill, S Joint, Equality Circle. Et on est passé. Ok, il n'y a rien d'intéressant à voir. Nous allons gagner un petit peu de points ici. Effectivement, nous passons en tête en victory score, en population et en. Pas en pour. Pardon, ça, on est second en pourcentage de planète, mais bon, voilà. Alors, ce qui va nous faire mal, c'est ça, l'ordre de l'apocryphe. 382 casualty bonus points. Ça veut dire qu'il nous permet. De ne pas de mécontenter moins vite notre population, de ce fait de diminuer, de moins diminuer les nouvelles recrues qu'on veut avoir, vis-à-vis de les morts que nous avons au combat. Mais bon, comme j'ai normalement pas trop de morts, ça va quoi. Et donc voilà. Et malheureusement, l'ordre est suivi par 15% de notre population, alors que les autres en ont beaucoup moins. Ouais, à caisse. Je n'aime pas l'apocryphe. Bon, on voit que notre trésor va bientôt s'augmenter aussi avec ces nouvelles. Dès que ceux-ci seront incorporés. Nous avons vendu 200 crédits, mais on n'a pas encore fait d'import, mais je crois qu'on va pouvoir en faire bientôt. Et 731 de revenus. Tukutukum. Voilà les feats. Alors là, je ne sais pas très bien pourquoi on a chuté de 336 et de 253. Pas très important pour le moment. On est quand même. Disons qu'on va à peu près, on est déjà à peu près les grands vainqueurs de la partie. Il serait intéressant ici de pouvoir augmenter, oui, zone administration plus 4, il faudrait que je puisse mettre un gouverneur et je pense que Jimmy serait bien comme gouverneur. Mais bon, on va voir d'abord ce qu'on va récupérer avec le sage. Parce que. Hé. 68, 73, 64, des issues urgentes. Oui, on a un pépin avec la première MG qui a du HQ power trop faible. Et puis on a quoi d'autre? Ouais. Donc, un de ces messieurs, je suppose que ça va venir ici. Les bleus, ben c'est eux, les bleus. First MG qui n'a que 50%, bien sûr. Donc, on va aller récupérer notre First MG. Mais on va regarder par rapport. Les autres sont ici, donc aucun problème. On va le mettre avec son confrère. Merci, monsieur. Et je suppose que maintenant, il ne me dira plus. Voilà. Là, au moins, on a du véritable real-time. L'Empire d'Ashbird. On est très bien ici. On a perdu un peu de PP. Est-ce qu'on a quelqu'un qui se trouve avec plus de 100 points? Non. Donc, on peut continuer comme on est là. On a encore droit à 16 points supplémentaires qu'on va vite recevoir, hein, parce que. Si je me rappelle, on a du bureaucratique office dans les deux nouvelles villes, je pense. Ok. Et on a, on s'en fout, le staff.
Ça avance pas vite, hein. Par contre, le militaire, il recherche. Donc, tu m'as trouvé quoi? Tu m'as trouvé. On a fini la polymère et tu m'as trouvé quelque chose. Le cluster. Bon, tout ça, c'est magnifique, hein. Tout ça, c'est magnifique. En modèle design, tu m'as fait quoi? Tu n'as rien trouvé ce tour-ci. Et tu es à peu près à la moitié. Mais comme nos BP vont augmenter le tour prochain, tu devrais le trouver sans aucun problème. Parfait. Décision, décision, décision. Il y en a plus de 10, plus de 9 en tout cas. Faction candidat. Oui. C'est justement un bon moment. On a le policy speech. On peut faire de la démocratie. La démocratie, je crois pas que je vais en faire. Parce qu'on va devoir en prendre, à mon avis, pour régler nos petits problèmes de worker. Et si je fais trop de démocratie, je vais perdre ma méritocratie, qui est déjà plus basse. Donc on va plutôt se baser sur des trucs comme ceci, par exemple. Et là, ça va être dur pour le moment. C'est beaucoup, hein, 92%. On va plutôt prendre un truc comme ceci. Mais on va patienter avant de le faire, bien entendu, qu'on ait positionné toutes les people, qu'on regarde d'abord s'il y a des gens qui sont allergiques ou pas à l'enforcement. Un advisor, tout ça, on va attendre. Il me faut quelqu'un qui soit excellent, certainement pas Archie. Peut-être toi, tout ça, on va voir avec nos nouveaux people. Zone décision, ben voilà, justement, comme je le disais, démocratie, on va déjà s'en prendre ici, 137 crédits. À Wilhelmnitz, nous avons un peu de sabotage, donc là, on va devoir travailler. Même chose, plus 5 ou bien plus 6, on va devoir faire plus 6 à mon avis. Mais on n'a encore actuellement personne de disponible. On a nos deux gouverneurs à faire d'abord. Ensuite, de la DIP. Nos spies sont de nouveau trouvés des infos. Mais dis donc, ça n'arrête plus. On va quand même vérifier que Temple School soit au bon endroit. Enfin, soit toujours. On va voir ce que ça donne. On va déjà aller voir ce qu'ils ont, pardon. Et on a ici ça c'est parfait. Bien que je n'aime pas trop les commandos, tant pis, ça sera comme ça. Et puis c'est tout. Donc, on va. Prendre un nouveau candidat. Accept. Ça, c'est un. Acadia Fluordark. Acadia Fluordark. Et on va se faire, bien entendu, tant qu'on est là, notre leader nation. Page 2. Un sage, exécute. Kenny Brenner. Ok, on a plein de monde. Allez, checker ici dedans. Allez, on croise les doigts. Alors, nous avons Kenny Brenner, qui est à niveau 4. Qui est très bon, qui a une ambition correcte, pas beaucoup d'égoïsme, manque un peu de ça, mais voilà, science, c'est parti mon kiki. Kenny Brenner, logiquement, tu deviens notre nouvelle Applied Science. Ah, malheureusement, tu n'aimes pas le fist. Et tu aimes bien le gouvernement. Pendant ce temps-là, on a Acadia, qui est un niveau 2, qui malgré être un niveau 2, a une excellente intelligence et un très bon charisme. Improvisation et sixième sens. 40 d'autorité. Elle a deux possibilités. Soit de travailler en tant que, à 23 ans, en tant qu'advisor, soit travailler directement comme gouverneur. Mais 86 en tant que gouverneur, c'est pas idéal. C'est pas du tout, du tout, du tout idéal. On va te mettre plutôt en tant que.
On va te mettre en tant que truc, voilà, machin idiot, touc, et toi, tu viens en tant que commandant. Ouais. Et toi, je te prends pas, Archie, et toi, Jamie, tu deviens aussi un gouverneur à ce moment-là. Donc on a deux gouverneurs. Décision. Orgue. Applied Science, c'est Kenny. Ensuite, nous avons un advisor qui ne sera certainement pas ces deux-là. Donc, nous avons une zone décision. Appoint gouverneur. Alors, soit à Fall Trench, soit à Vilainitz. Je préfère le plus costaud à Vilainitz. Même s'il est à zéro du côté de science et tous ces trucs-là, il va gagner vite, vite, vite. Mais à Vilainitz, j'ai plus de. Déjà d'industrie publique. Normalement. Mais on va aller voir d'ailleurs, avant de faire le petit fou, de penser des choses qui ne seraient pas exactes. Allons dans les management assets. Et on regarde Vilainitz où il en est. Donc, TruckStation 2, Industrie 1, Airbus 2, Bureaucratique 2, Biofuel, on s'en fout, 1, Recycling 3, dis donc. Et puis plein de petits bidules déjà. Regardons. Et 159 000 de population. 160 000 de population. À Fall Trench, ouais, bon, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, même s'il serait peut-être temps de faire des trucs en zone, mais on n'a rien besoin de faire de spécial, de toute façon, pour le moment. À part, je vais dire, les industries. On pourrait faire une petite industrie là. Mais bon, pour le moment, on n'a pas le besoin. Donc, tout ça, on va diminuer, à mon avis, après. Donc, je prends, comme je l'avais pensé, le nouveau gouverneur. Tu y vas. Plus 9 points. Ça sera Trina. Et enfin, l'advisor, ça devait être cette personne-là, je crois. Oui, improvisation, sixième sens. 42-39. Si elle ne peut pas être gouverneur, ça lui ferait trop mal, je pense, au niveau des points. Et donc, on va te mettre. En tant qu'advisor, voilà, tu peux devenir un bon advisor, tu as des bons points. Ensuite, nous avons vu que je ne veux pas la démocratie et je voudrais plutôt ceci, enforcement. Donc, industrie asset, reach 12 level. Et pour le moment, on est à 10, level 10, et l'industrie, ben, c'est des light infanterie, des trucs comme ça. Hein. Donc on a tout le temps 41, on est au 27, on a 14 tours, donc ça ne devrait pas poser de problème. Je prends ça. Ensuite, zone. DIP, Our Spice est found, oui. J'ai dit que j'allais regarder d'abord notre ami ici. Attention, hein, ça se rapproche de chez nous cette histoire. Zandbark, c'est toujours les doctrinistes. Montre-moi un peu vis-à-vis de. Zandmark 65. Support. Voilà. On a donné 150% de support à ces gens-là. Ok. Montre un peu une décision si je refais Temple School.
Parfait. Qu'on retourne dans les supports. Ok, on le voit ici, 300% de support. Ok, bon. On recontinue. Donc maintenant, on va déjà regarder ça. La nouvelle recherche ici, j'ai deux choses importantes. Je voulais faire les EV guided, comme ça je peux les rechercher. Et après, on travaillera sur le cluster bomb. Ok, voilà. On va faire ça dans l'ordre. Ensuite, toi, est-ce que tu gardes ce que tu as actuellement? Donc, on n'a rien de très intéressant. On va garder la sanitation. Voilà, puisqu'on est dedans, autant rester dedans. Alors, ici, on n'a pas encore de découverte qui nous convienne. Regardons un petit peu la technologie. Donc, c'est tout ce qu'il y a là-dedans, enfin, bonne partie de ce qu'il y a là-dedans qui nous intéresse. Au niveau, voilà, les petites armes, le gun normal. On a la personal armor optimization. Améliorer le propeller aussi, ça peut se faire, mais ça, c'est de l'air. Donc, ça, c'est le prochain gouverneur, enfin, la prochaine personne qu'on utilisera. Et de l'aircraft design, de l'hélicoptère design, de l'aircraft rugged-ness, ça doit être le costaud, quoi, enfin la solidité, à mon avis. Et de ce côté-là, ben, on a le fuel, le lightweight alloys, c'est parfait aussi, il faut les fumer, et l'armure surtout, l'optimisation de l'armure des véhicules. Voilà, donc il y a pas mal de choses à rechercher. Je vais quand même recevoir. Alors on va faire du 70% et 30%. Voilà. C'est réglé aussi. Ensuite, nous avons deux possibilités de la démocratie. Et de la décision ici. On va faire deux commandos. Ouais. On va faire deux commandos. Méritocratie. Ok. Give them 137 crédits. Et le sabotage maintenant. Give an extra payment. Ok. Donc, bah, ça va. On s'en est pas trop mal sorti dans toute cette histoire-là. Ensuite, on va pouvoir jouer quelques. On va jouer le tarif. On va jouer le tarif. Le target, puisqu'on a un import ici. C'est l'intérieur qui fait l'import. Oui, c'est juste. Donc, tarif import que nous n'avons pas encore. 78,70, c'est parti. Boum. Ok. Je voulais revoir un petit peu. Est-ce que ça modifie quelque chose? 65,83, ça n'a pas l'air. Faudra voir. Ok. On continue. Donc, dans nos majors, on voit qu'on n'a pas assez de points ici, hein, ça c'est sûr. On va d'ailleurs, avant de continuer de faire ceci, on va appeler notre secrétaire. On va dire salaire. On va augmenter un petit peu tous nos people. L'advisor, je te monte de 1. Les directeurs, je vous monte de 1. Les gouverneurs, je vous monte de 1. L'SHQ, le commandant. Réserve, je non, je ne pense pas. Et on va faire ceci. Boum. Buzz, yeah. Il monte bien, Buzz. Hein. Bobby, plus 7 aussi. Et ok. Ensuite, le mineur, non, le cover-ops. Oui, on va envoyer un petit Spenry Ring.
Bon, on va te mettre ça. On a gagné un double, bien sûr, parfait. Ensuite, on va faire un... une petite team là-bas, dans Grey Line. Doublé. Ensuite, là, j'en ai 6. À Londres, ça va. Danemark, j'en ai 2. Danemark, j'en ai 6. Amusant, ça. Je pensais pas que par région on y arriverait comme ça. Envoie-moi 3 spies là-bas, mec. 6, pourquoi pas. Il nous reste 2. Là, j'ai 3 spies, c'est suffisant. 2 spies. On va en rajouter un petit en plus. Là, j'en ai que 2. Mais en un en plus. Ou 2, si possible. 50, ouais. Bon. Il nous reste un Sense Ring, mais on commence à avoir une très bonne visibilité sur tout ce qui se passe. Toi, c'est fait. Le groupe qui est ici, 6 aussi. Je peux dire 6 au 6, hein. Et on peut encore en envoyer ici également. Un Minor, Catillo. Ouais. Sur Catillo, je t'en envoie un aussi. Tu devrais faire un double, normalement, sans aucune difficulté. Ok, on garde le reste en carte. Ensuite, nous devons appeler. Ah ben, j'ai encore plein de monde, c'est parfait, hein. Pour les villes suivantes. Toi, mon ami, je ne veux plus te voir. Je t'appelle. Et le tour prochain, je te dis que je ne t'aime pas. Alors, ceci, c'est très intéressant. Bon, on va patienter un petit peu. Parce que je risque aussi bien, donc c'est pour avoir une recherche, je risque aussi bien de faire ces trucs-là, qui ne me servent strictement à rien. Donc on va attendre qu'ils soient découverts. Je suppose qu'on va finir par les découvrir à un moment ou l'autre. Comme ça, au moins, on aura un peu plus de chances d'aller plus bas, quoi. Donc là-dedans, ça va encore, hein. Mais ici aussi, j'ai des trucs qui ne m'intéressent pas. Comme, bon, enfin, soit. Ça serait quand même plus intelligent que ces deux choses-là. Ces deux choses-là ne me servent strictement à rien, quoi. Mais alors, vraiment à rien. Vraiment à rien. Ok. On continue. Qu'est-ce que je pourrais lancer? Pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de vraiment intelligent à faire ici-dedans. Regardons si nous pourrions lancer du FIR. Est-ce que Carreca, comment se trouve Carreca au niveau du FIR? Pour le moment, nous avons encore un FIR de 15 points. Donc on ne peut pas se permettre de le jouer. On ne peut pas se permettre de le jouer. Les tarifs, c'est fait. Dans les zones, on a 2 pages dans les zones. Qu'est-ce que nous avons d'intéressant? Voilà. Nous pouvons monter un Eager industrialiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un niveau 2 en Eager, en industrialiste? Assets. Foltrange, non, mais. Leibniz, Industrie 1. Hanson. Ah non, non, Leibniz, c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est celui qui est ici dedans. Lui, il est au niveau 2. Donc, s'il est au niveau 2, qu'est-ce qu'il est occupé de construire pour le moment? Justement, il essaye de construire le troisième niveau.
ce qui ne nous intéresse absolument pas. Donc, stratégie Igor Industrialiste sur Vinaimnitz. Boum. Voilà, excellent. Ensuite, il me faut un G1 Security Outpost, un Scientific Outpost, qui serait intéressant à lancer. Alors, un Security Outpost, on va le faire chez qui? À mon avis, celui qui a le plus de besoin. Donc là, nous avons suffisamment de points partout pour le moment. Pour le moment, je dis bien. Par contre, là, à mon avis, il y a strictement à 0 points. Donc on va te mettre... On va te mettre là. Donc on va commencer par faire un petit 1, un petit Z. Et on va aller... Donc on se met sur notre ami ici. Touk, touk, touk. Et retouk, comme ça. Notre ami peut recevoir un Security Outpost Target. Full range. 2 points, mais 100 points quand même là-dedans, ce qui va quand même nous aider un petit peu à réguler le reste déjà. Ensuite, que nous reste-t-il? De nouveau, ça ne sert à rien. Ça amène déjà. Alors, un Scientific Outpost, c'est sympa. Ça va nous donner, si je pense, 200 points de bonus recherche point. Et donc la racine carrée de 200, ça doit faire à peu près 15 points. 150 et... 14. Oui, 140 fois... 140, 40, 96, 100. Oui, 196. Donc c'est 14 et une étiquette. Donc on va... pas targeter tout de suite. Là, on va te redonner à full range. Je te donne ceci. Ok. Non. Attends. Que je réfléchisse. Donc là, je suis bien à Carreca. Là, je suis à Carreca. Là, tu ne veux pas, tu me le laisses obligatoirement, ce qui était un petit peu logique. J'ai pas du tout envie que ça arrive. On va le foutre à Hanson. On va le mettre à Hanson. Donc, je vais plutôt enlever ça à Hanson et enlever ceci. Et je vais aller mettre à l'intérieur de la forêt. Hanson, moi ça. Donc viens ici, prends-moi ce petit morceau-là, et on va te positionner à Hanson, le scientifique outpost. Outpost. Boum. Bien, donc ça c'est fait aussi. Hanson, on va un petit peu t'agrandir. Donner un petit peu plus, comme ça tu seras heureux, un peu plus heureux. Tiens, voilà. Donc on a déjà pas mal avancé au niveau des stratagèmes. Il me reste 2 points, donc là on va un petit peu se calmer. Ceci, ça veut dire que on recruterait de la population, oui, ça dépend de la loyauté, donc ça c'est fini. Leader, oui, on a notre nouveau leader avec un protocole Android qu'on va positionner sur notre notre directeur Kenny Brenner, hein, 44. Je monte à 66, moi je pense que c'est parfait. Touk, stratagème, un petit bug à ce niveau-là, on a remarqué, nous, voilà.
Je te donne celui-ci. J'ai oublié de regarder son âge. Au fait, à ce mec, moi, je lance des trucs. Et puis, Kenny. Quel âge as-tu, au fait, Kenny? Ah, tu as à ton aise. 53, c'est bon. Parfait. Nous voici à 136, 118. À peu près comme l'autre. Il nous restera une petite chose à changer. Ça va être Brent. Ça m'ennuie un petit peu quand même qu'il soit là. Il serait très bien dans une autre recherche. Par exemple, dans la recherche économique. Admettons. Parce que je peux aussi lui remettre 50 des points. Mais d'un autre côté, il est quand même à 48. Hein. Et donc, Cover-Ops, je ne veux pas le garder en Cover-Ops. Je voudrais qu'il devienne Hide Command. Je voudrais qu'il devienne Hide Command. Bon. On a une autre chose à regarder vite fait. C'était mes nouveaux advisors. Donc, Acadia et Aaron. Acadia et Aaron. Toi, c'était pour l'oratoire. Et toi, c'était pour tout. Comment est-ce qu'on va travailler ça? Et d'ailleurs, tu es bien meilleur, mais ton problème, c'était l'ambition, hein, c'est ça, ouais. Et toi? Donc, vous êtes tous les deux sur méritocratie, authority. Et elle, c'est la même chose. Méritocratie. Et une autorité plus basse. Ce qui veut dire qu'elle va encore diminuer moins, elle, quand elle va s'attacher à quelqu'un qui est ce qui pourrait être. Chez qui pourrais-tu être attaché, ma chérie? Pour te faire gagner des points, hein, déjà. Alors, elle est bleue, on pourrait l'attacher sur quelqu'un de bleu qui n'aurait pas trop de. Sauf les advisors, je veux connaître la personnalité, l'émotion. Ceux qui ont le moins d'émotions sont ceux qui résisteront le plus facilement à recevoir quelqu'un sur eux. Sauf que toi, tu n'aimes pas la méritocratie. Si tu aimes bien la méritocratie. Toi, t'es vert, c'est pas la meilleure chose pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre en bleu? Chunk. Chunk, je pourrais te mettre dessus. Je pourrais te mettre quelqu'un. C'est une intelligence de 55, ça c'est exceptionnel ce mec, c'est marrant ça. Une émotion de 28, toi j'aurais aucun problème si je te mettais avec. En plus, tu es déjà à 100. Un modifié pour score fois 102. Mais quel serait mon intérêt de mettre cette dame-là? Un autre, le gouverneur de Karikata, personne. Si toi tu as Aaron. Je vais enlever Aaron de là. Et je vais plutôt mettre Aaron plus sur Kareka, mais sur l'autre. Sur Wilhelmnitz, je crois. Au moins que tu lui donnes un peu d'oratoire. Ouais. Cool. Détache. Boum. No. Advisor. Arcadia, je te mets maintenant sur lithium, puisque tu dois faire tes preuves d'abord. Et donc, Aaron, je vais te faire un call, je vais t'attacher à. Au nouveau gouverneur ici, à elle, je crois. On va l'attacher, on va regarder ça. Donc, Aaron, montre-toi. Tu es sur Irna. Irna, tu es. Tu te prends un moins 9. Ça, c'était Fall Trench.
C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Parce que ça te fait chuter de 9 points. Tu serais autrement à 85. Donc, non, on va devoir t'enlever de là. Je veux voir l'autre gouverneur. C'est Jamie. Et Jamie, tu es comment? Tu n'es qu'à 87, toi. Non, de toute façon, comme elle n'a rien, il vaut mieux que je la mette pas sur un gouverneur, je vais la mettre sur un bleu. Je vais la mettre sur un bleu. Par exemple, si je la mettais sur Glitch, tu es forte comment toi en War? Tu n'es pas bonne en War. C'est pas dans War que je dois te travailler. Bon, donc toi c'est fait, pardon. Non, non, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est Aaron. Toi, tu es bon en War. Tu es bon en charisme. 38 de War, c'est pas si dégueu que ça. Si je te mets sur. Bah, je peux te mettre sur Glitch. Je peux te mettre sur Glitch. Je peux te mettre sur Glitch. Pas sûr. Nous reprend l'émotionnel, ok. Maintenant, tu passes à 99, toi. Rome. Je peux pas te laisser sur Irina. Bah, il faudrait quand même, hein, mais c'est pas le bon moment. On va d'abord laisser 38 de bras. Allez, on va te mettre sur un OHQ ou le SHQ, pourquoi pas. SHQ, lui, il est quand même de toute façon à 109. Non, c'est sur toi que je vais. Je vais essayer de te mettre toi. Je vais essayer de te mettre sur toi. Donc, j'appelle Aaron. Je te colle. Je te détache. Et je t'attache sur Buzz. On va un peu regarder ce que ça donnerait avec Buzz. Voilà. Viens ici. Montre-moi tes points. Tu te prends moins 11, tu as moins 3 à cause de la crise d'égoïsme, hein. Donc ça devrait diminuer. Mais au moins j'ai quelqu'un, déjà pour te sauver la vie, dans le cas où il y a un problème, hein. Et surtout on va pouvoir faire grimper en War, ici. Et, ouais non, j'aurais peut-être mieux fait de te mettre sur Buzz. J'aurais mieux fait de te mettre sur Buzz, je crois. Buzz, Chunk, pardon. Je vais plutôt te mettre sur Chunk. Tu vas prendre de ça. Tu as besoin de leadership. Tu vas prendre du leadership. En plus, le mec, il est bon, hein. On peut pas dire le contraire, même s'il n'est pas au bon endroit, hein, mais il est bon. Voilà, on change. Ou pas. 38. Ouais, on change. Allez, on rechange. Je te colle, je te détache. Oui, je t'attache. On a perdu plein de petits points. Et je t'attache sur Spica. Okay. Donc, monsieur Spica, vous, par contre, vous perdez quoi? Vous perdez 9 points en friction et vous êtes à 92.
On va parler des assets. Donc, nos assets actuellement, on va peut-être checker comment fonctionne notre bouffe, par exemple. Alors, food. Bon, ben, en premier lieu, ok, on va faire autre chose. On vient ici, on vient sur Wilhelmnitz. Nous regardons comment. Donc, light industry, on s'en fout, ça a été fait. On voit qu'il y a un income de 0,001. On va augmenter et nous donnons 0 pour le moment de crédit hein, pour nos petits personnages là. Donc, on va ajouter un point de crédit. On va pas, on va leur donner un point, ça suffira de private funds. Donc, on appelle. Bonjour monsieur le gouverneur, je voudrais que vous passiez actuellement à plus 1 de crédit, à plus. Oh, non, mon ami, mais non, mais non, mais non. Avec 2, ça sera bien suffisant. C'est un point en plus. Et si on a besoin, on en rajoutera un point supplémentaire. Mais bon, attention, ça commence à coûter déjà. C'est 18 hein, que ça coûte par 1000. Enfin, pardon, oui, ça nous coûte, pour le moment, ça nous coûte 18 à chaque fois que j'augmente de 1. Worker salaire, le reste, je ne veux absolument rien, mais je veux allocater le foot emergency et je veux pas que tu vires les gens et tu n'achètes pas des free people. Pour le moment, je veux rien. Je ne veux rien. Confirme order. Boom. Oui, hein, ça fait du bien, les petits gars, hein? Donc là, ça viendra le tour prochain. Et ici, ça viendra aussi le tour prochain. Parfait. Toi, c'est fait. On passe chez notre copain Foltrange, on fait la même chose. Toi, tu payes absolument pas tes ouvriers. Paye pas les ouvriers, ok. Paye pas les ouvriers. Il y a peut-être pas beaucoup d'ouvriers non plus, faut dire. Il y a 2200 ouvriers. Donc avec un point, ça sera suffisant. Cool. On a zone order. Oui. Public budget 1. Pour le moment, on fait comme ça. Worker salary 1. Allo, emergency. Never fire et forbid ici. Ok. Voilà. On a plus 13. Le tour prochain, on augmentera encore ces gens-là. D'ailleurs, je me demandais si Hanson, on ferait peut-être bien de leur donner un petit point aussi, parce que je me demande si on n'en perd pas ou pas. Donc, 600 workers left you to seek, ouais. Workforce increase by 600 workers. Ok, non, par contre, ça fonctionne, donc il n'y a pas de problème. Ok, on a bien avancé, on a fait ça, on a fait ça, on revient dans nos stratagèmes. Nous aurions voulu faire un zéro retirement pour une target qui s'appelle Reserve Pool Archie. Difficulté 17. Comment ça marche? Alors, tu me dis que j'ai. Tu me dis pas beaucoup comment ça fonctionne. C'est toujours un petit peu complexe. Je crois qu'on lance des dés. Un des 20 doit être fait. Allez, vas-y, ne t'emmerde pas. On verra bien. On a roulé 12. L'effet est à lever. Il a refusé de se retirer. Voilà. Mais maintenant, Archie n'est plus que 2. Est toujours à 17. Bizarre. Vous avez dit. Oui, vous avez dit bizarre. Mais bien sûr. On va faire les routes. On va faire les routes. On va décider comment fonctionnent nos petits bidules là. On va peut-être buter cette histoire ici.
qu'il ne doit pas rester grand-chose à ce qu'on voit ici. Il reste pas grand-chose, effectivement. Monsieur, est-ce que vous voudriez venir vous occuper de ceci? Oui, hein, pourquoi pas. Ah, pardon, il faut faire du move. Allez, on vient te faire un petit move. Voilà. Ça devrait se faire assez vite. Boum, boum, boum et boum. Au revoir. Maintenant, ça nous appartient. T'es, montre-moi un petit peu hein, comment on vit. C'est pas A, c'est 1, c'est T. Oui, donc on avait déjà travaillé ça correctement. Donc ici, on a Angel Fire, ça monte comme ceci, OK. Et on a Wilhelmnitz, ici, qui balance aussi. Est-ce que je veux créer une armée là-dedans? Est-ce que je veux plutôt aussi virer quelques petits trucs qui vont me gêner? Est-ce que je souhaiterais attaquer ceci? Je pense que ce serait une bonne idée. 56, 98, il y en a 4. Voilà, toi, tu n'as que 24, donc toi, tu disparais tout de suite. Et eux, ils ont 100 quand même, mais donc 34 de vie et de la milice et un RPG. Ah, il y a un RPG. D'accord. Il y a un RPG. Dangereux ça. Mais j'ai pas tellement envie que tu me tires dessus. C'est ça le problème. J'ai pas envie que tu me tires dessus. Alors, ton petit RPG, il me fait quoi? Il me fait 20. Il me fait 50. Ok, ils n'ont plus d'avion. Ils n'ont plus d'avion. Comme ils n'ont plus d'avion, je vais aller attaquer ce truc ici pour essayer de buter le monsieur RPG. Et ainsi éviter de me faire tuer bêtement. Donc on va revenir ici. M, j'ai dit. M, 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 ici. Switch. Air attaque. On va commencer avec lui pour qu'il nous ouvre un peu le chemin et qu'on voit un petit peu plus la reconnaissance. Voilà. Hein, essaye de me tuer. Où est-ce qu'il est? Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc il y a un tank aussi. MG, elle est morte, c'est bien la MG, mais ce que je voulais voir, c'était le RPG est toujours là. Mais il va. On va essayer de le faire disparaître. À nouveau. Air attack. Toi, tu devrais faire encore plus de dégâts. Puisque maintenant tu as une vision complète. Waouh! Putain, on a. L'enfoiré! L'enfoiré, il a réussi à me buter mon avion. Et un avion qui avait une expérience de 10. Ah, vous n'avez que 10 ou autres. Ah, c'est là, je me suis trompé. J'aurais dû d'abord faire les autres, c'est pas grave. Mais donc on voit, l'expérience a changé pas mal de petites choses. Ouais, ça change beaucoup, hein, l'expérience. Touche rien du tout, là. Ouais. J'ai eu un canon. C'est toujours ça de pris. Boum. Bon, il y a toujours un RPG. Donc il y a un gros risque que on se fasse buter notre char. Alors, 69, 89, 69. Septante-deux, 59.
1983. On va pas s'embêter, on va prendre ces deux-là. Toi, je t'oublie. Et on t'attaque. Allez, ne me bute pas. Non, je crois qu'on l'a eu. Et c'était lui, non? Non, c'est celui-ci, RPG. Mais il replie, donc, sans problème. Allez. Et il nous reste des AP pour continuer ici. Voilà, il n'y a que des chars, il n'y a que des canons, donc sans problème. Allez, on attaque ici. Ils sont directement, vous allez voir, on va passer tout de suite en breakthrough. Et donc ces mecs-là, hop, ils n'ont qu'une seule chose à faire, ils ne peuvent pas nous tirer dessus. Nous sommes en broken through. Et donc on est sur leur ligne, ils ne peuvent pas tirer sur leur propre ligne arrière. Et donc c'est terminé pour eux. Et on en bute un. Et on n'en bute que un. Parfait. Donc, ceci nous appartient maintenant. Enfin, pas tout de suite, le tour prochain. Mais c'est une très belle asset, ça, c'est un solar panel. Attention, on a déjà pété dedans des trucs. On va essayer de ne pas le démolir quand même. Il est quand même pas mal, hein. Il est pas mal du tout. 483, on va commencer par 3. Je vais me faire un bon petit paquet pour être tranquille, au moins 600, voilà. En regardant si on peut vendre quelque chose tant qu'on est là. On peut vendre du fuel à du 0,44, moi ça me convient parfaitement. Bon, j'ai oublié de regarder si je pouvais vendre de la food à 0,22. On en a pour 5, on en a 5000. Mais on peut en vendre 5000. Je ne vais pas vendre 5000 de food. Hein. On peut en avoir combien? On peut en avoir 13 000. Donc, maintenant, je suis à 75%, il y a 25%. Là, je suis à 25% et j'en ai d'autres. Hein. Et puis, il y en a des nouvelles qui arrivent aussi. On peut en vendre un petit peu quand même. J'ai pas besoin de tout ça. Même si c'est que 22, c'est pas très grave. Je veux diminuer un peu ma food. Voilà, un bon millier. Voilà, c'est bon comme ça. 270 crédits. Eh bien, voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de vendre plus que ça. Les machines peuvent être vendues, can be sold à 206. Waouh, 206 maintenant. Combien elles sont à l'achat? 275. 453. Eh bien, dites donc, c'est un bon moment pour vendre des machines. Hein. Mais bon, on ne peut pas se plaindre, hein. On est bien là. On est bien comme on est là. Hanson, tu as maintenant... Tu n'as... Hanson, reviens là, mon ami. Je souhaiterais que tu... Que tu crées des choses, comme... Par exemple... Qu'est-ce que tu as dans le gouvernement? Attention, tout ceci, eux, peuvent construire. Alors, agriculture, mining, énergie, on s'en fout, on en a. De l'industrie niveau 1. Je pense que ce serait une très bonne idée de faire une industrie niveau 1 qui me demande que 1100 personnes. Ok, on start la construction. Boum! Ensuite, nous souhaitons créer ici, ce qu'on n'a pas encore fait, hein, sur un common artefact, je veux que tu me construises une mining pour des uncommon
Recycling Facility. C'est parti. Boum. Espérons qu'on va avoir un petit peu plus d'artefacts. Mais bon, on va pas se plaindre, on a déjà eu deux beaux. Ensuite. Nous avons ici, on a perdu 24 000 parce qu'il n'y a plus personne. On va regarder les assets à ce niveau-ci. Comme je vous le disais, les avions ne s'arrêtent plus là. C'est incroyable. Donc, toi, je pense que on va te réduire à 25%. Non, pas en Mossboule. Si, on va te... Oui, on va te laisser en Mossboule pour l'instant. Toi, tu restes à 100%, donc on a besoin de 2200 personnes. Toi, je vais être Mossboule. J'ai pas besoin de toi. On te descend ici. On le garde, hein, on ne sait jamais. C'est pas pour 1000 personnes que ça va nous prendre. Et cela, on ne peut rien faire pour le moment. Ensuite, Wiedheimnitz, toi tu restes comme tu es là, tu restes Industrie 1, Airbus 2, je te descends à 50%, bureaucratique, tu restes comme tu es là, le biofuel, j'en ai pas besoin du tout, pour le moment je te fais 25 et je te fais Mossboule. Ok, toi je te garde, toi ben, pour le moment je te garde, j'espère que ça va continuer à marcher. Une farm, school, police, casino, hospice, park, light industry 3 bien sûr, et notre degraded. Ok, qu'est-ce que je peux construire ici si je peux me faire plaisir? On voit qu'on manque de personnel, hein. Nidid 6009 pour 7000, mais bon ça c'est pas, ça va chuter. On va perdre du people de toute façon. Truck Station 2. Ok. Donc on va rien construire ici. Mais le tour prochain, je leur donnerai un peu plus de sous. Surtout à Fall Trench. Qu'est-ce qu'il veut construire à Fall Trench? Pour le moment, il veut construire une Farming Dome Community. Ouais. Tu en as besoin parce que tu n'as pas accès à celle-ci, je crois. Ça, c'est une farming dome. C'est une farming dome. Et une deuxième là. Et pour le moment, il y a à cause de celui-ci, je peux pas te le donner. Par contre, vu Leibniz, tu as une farming dome chez toi. Et encore un avion. Hein. Tu as une ferme dans la cité. Donc, 1179. Je pense qu'on va te donner celle-ci aussi. On va repasser en Z. Pardon, en Z. Z. Donne-moi ça et ça. Donc, j'ai oublié de lui donner ceci. Par contre, maintenant, je peux reprendre Carica et reprendre ça. Parce que je veux pas que tu me prennes ces trucs-là. Voilà. Ok. On a bougé nos unités. On a fait nos constructions. Il nous reste 1000 points. Avec 1000 points et j'ai 3500 people. 3500 people. Je peux commencer à modifier. Est-ce que j'ai déjà fait toutes mes AMG2, je pense que oui, management modèle. Les machine guns, est-ce que j'ai obsolète? Donc il n'y en a plus. On va, eh bien on va se faire des... On va modifier... ces gens ici. Ces trois équipes là, donc je peux créer actuellement
des infanteries, là une troupe 2. Il va m'en falloir 800 fois 5, 4000, mais j'ai pas assez de monde, donc je vais prendre le maximum que je peux. Voilà, 35. Et c'est tout ce que je vais jouer pour l'instant. Ensuite, on va remplacer tous ceux qui sont dans cette équipe-ci. On va faire celui-ci. On va faire un par un parce que de nouveau, je ne veux pas remplir ces gens-là, tu vois. Ceux-là, je n'ai pas envie de les changer pour le moment. Ce n'est pas l'utile. Et donc, je préfère. C'est pour ça que je ne fais pas le masse dans le bidule, quoi. Donc, il en reste 500 là. Replace avec Deadline 2. Boum. Logistical cost, je n'ai plus assez de points. On peut remplacer. Ok. C'est un manque de points. Ok, 800 line troops, replace. Ligne 2, montre-moi un peu si tu peux faire quelque chose. Non, tu peux pas. Ok. Et ici, tu peux pas non plus. Ici tu peux. Toi tu peux. Ok. 800 là, il troupe 2. Tu peux pas, toi. Ok. On va créer une petite route. Jusque là, on va augmenter avec un petit T leur logistique. Je t'enlève que 80% et je regarde ceci. Peu plus de points, mais c'est pas énorme encore. Je n'ai que 147. Peu étonné, tiens. On va te mettre 60%. Il n'en a pas beaucoup plus, hein. Tant pis, on va faire avec. Donc ça c'est OK. Ici, je vais faire la même chose. Je vais te faire donc un T. Tu pars en pull point et tu me bloques, mettons, 80%, 80% là au-dessus. Ça donne quoi? Je veux non plus personne à gauche. Je ne veux rien à gauche. Donc j'ai mis 80% sur le haut. Non, pas du tout. All et je te garde les pull points. À gauche, all, mais je te garde les pull points. À droite, je vais te mettre 80% parce que j'ai des gens qui vont être là. Et vers le bas, je te laisse correctement travailler. Ce qui veut dire que j'en descends par ici. Là, il y aura juste 400 points, on ne sait pas d'où ils viendront. Et ça repartira comme ceci. Et ça repartira comme ceci. Il y a encore une chose à faire. Déjà, c'est prendre un nouvel avion. Donne-moi un nouveau Grasshopper.
Tu peux pas parce qu'il n'y a plus assez de monde. Bah, c'est idiot ça. C'est con ça. Ah oui, j'aurais dû réfléchir à ça avant. Donc, Mill Line Troops. Scrap. Scrap. Tac. Allez, on va refaire une route, même si ça me coûte un petit peu de. J'ai pas assez avec 200 points, il me faut plus de points que ça. Je veux que tu me bloques. Fais-moi ça, qui me fait 295 points. Je bloque 90% ici. Je bloque 90% par là. Ok. Donc là, on a juste les points qu'il nous faut. On a un peu plus que les points qu'il nous faut. Là, on a juste les points qu'il nous faut. Et j'ai quand même 1700 points qui arrivent là-bas. Et maintenant, je suis à 960 là-bas. On va travailler comme ça. On verra ça pour le tour prochain. Donc, on revient en I. On a créé notre truc là. On a créé tout ce qu'il fallait créer. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans cette histoire-là. On peut également. Toi, tu as combien? Un level combien, toi, mon petit? Tu es un level 5. Métal rare. Pour être. On verra plus tard. Je reviens comme ça, j'aime bien être positionné directement comme ça, je reviens. Donc toi tu es du T, mais je veux plus voir le T, moi je veux voir du mouvement, non, du 1, c'est ça que je veux voir. Je vais te mettre comme ceci. Donc là il me manque un avion, c'est con ça. Cela reparte. Non. Allez, on avance.